Salut les héroïnes, je voulais te faire aujourd'hui une vidéo sur les 10 meilleurs livres à dévorer lorsqu'on est une femme surdouée, qu'on commence à découvrir sa douance, mais aussi lorsqu'on souhaite approfondir le sujet. C'est une excellente manière de nourrir ton cerveau. Alors, si tu es à la recherche d'inspiration, de témoignages, de conseils pratiques, à la recherche d'une meilleure connaissance de toi-même, eh bien, ces livres sont de véritables ressources inestimables. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est mon meilleur cru à date de mes lus de cœur, jeu de mots, haha. Alors, attention, avant de rentrer dans le vif du sujet, beaucoup d'entre vous me disent « mais je ne me reconnais pas à chaque fois que je lis dans tous les témoignages, ce qui favorise votre peur absolue de tomber dans l'effet Barnum ». Eh bien oui, il n'y a pas de cerveau identique et il n'y a pas non plus de haut potentiel identique. C'est pas d'un côté un bloc homogène avec les HPI et de l'autre les normaux pensants. En fait, c'est un continuum, le haut potentiel, ce qui le rend très difficile à cerner. Et d'ailleurs, tu verras qu'il n'y a pas non plus un consensus total sur ce sujet. Il y a aujourd'hui plusieurs façons d'aborder la douance, plusieurs portes d'entrée, que ce soit scientifique, anthropologique, etc. Et chaque couleur, chaque regard présente un intérêt. Chaque regard est une pierre angulaire à l'édifice, à la cathédrale intérieure que tu te construis. Et tu verras aussi que le sujet de la douance a beaucoup, beaucoup été porté par les femmes. Sandrine, je suis coach hypnothérapeute, mais aussi mentor. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes atypiques, au potentiel, multipotentiel, hypersensibles, etc., à libérer et révéler leur potentiel. Si tu es intéressée pour faire un chemin de développement personnel dans ce sens, n'hésite pas à télécharger le guide offert sous la vidéo. Et si tu veux qu'on discute de ta situation, de ta problématique, remplis le questionnaire besoin d'aide qui est également sous la vidéo. Et ce voyage de développement personnel s'appelle le voyage de l'héroïne. Il y a différentes étapes. Et un jour, eh bien, j'ai aussi cette envie d'écrire un livre sur ce sujet du voyage de l'héroïne, de la femme atypique. En attendant, on va commencer par les deux livres de base sur la douance, les plus anciens aussi. Alors, le premier, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est le premier livre que j'ai commencé à lire sur le sujet qui m'a mis sur la piste du haut potentiel. C'est « Je pense trop » de Christelle Petit-Collin et aussi après son successeur « Je pense mieux ». Alors, je pense trop, en fait, c'est par rapport à toutes les questions qu'on se pose quand on n'arrive pas à débrancher son cerveau. Ça explique aussi le sentiment de décalage, d'incompréhension qu'on peut avoir avec les autres. C'est vraiment un guide, si tu veux, de pilotage, un cours de mécanique pour ton cerveau de surefficient. Et puis, je pense mieux, en fait, ce sont finalement, à travers toutes les réactions du premier livre, par rapport à tout ce qu'elle a reçu comme lettre, comme questionnement après le premier livre, que Christelle Petit-Collin a écrit ce deuxième livre, qui est plutôt un livre-lettre, comme elle l'appelle, un livre-dialogue avec les lecteurs du premier livre. Deuxième classique, « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne-Sio Fachin, aussi psychologue spécialisée pour les surdoués. Elle nous parle notamment des personnes qui ont des difficultés et comment faire face à ces difficultés telles que procrastination, sentiment de ne pas trouver de sens, sentiment d'incomplétude, etc., etc. Et elle nous donne aussi des stratégies pour trouver un équilibre et trouver ce que j'appelle ton haut potentiel de bonheur. C'est aussi Jeanne-Sio Fachin qui a introduit la notion de zèbre puisque, comme je le disais, chaque personne, chaque HPI n'a pas forcément les mêmes rayures que ses pairs. Et en fait, ces deux personnes que je viens de vous citer ont fait récemment des polémiques. Certaines personnes sont venues remettre en cause tout leur système qu'elles ont mis en place, etc. Franchement, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je trouve que ces deux livres ont aidé énormément de personnes
sur le chemin de leur HPI et je ne peux que voilà, reconnaître tout le travail qu'elles ont fait dans ce domaine, même si depuis on a avancé et je vous parlerai tout à l'heure d'autres livres qui vont plus loin, notamment dans le domaine scientifique, je pense qu'on peut leur dire un grand merci. Alors maintenant, hein, autant il y avait un tout petit paragraphe qui s'intitulait « Du côté des femmes » dans le livre de Jeanne-Sio Fachin « Trop intelligent pour être heureux », autant après, il y a eu plein de livres dédiés à ce que j'appelle le haut potentiel au féminin ou encore la douance féminine. Et je vais commencer par mon coup de cœur, la pionnière dans les livres dédiés aux femmes surdouées, c'est Monique de Kermadec avec son livre « La femme surdouée, double différence, double défi ». Et c'est elle que j'ai commencé à consulter lorsque je me suis intéressée au test de douance ou au test de haut potentiel. Alors, ce livre est excellent pour aborder le côté barrière sociale, professionnelle et personnelle que peut rencontrer la femme surdouée dans la société. Et si tu es intéressé pour en savoir un peu plus sur ce livre, j'ai fait une interview sur cette chaîne de Monique de Kermadec. Et après ce livre, qui m'a beaucoup accompagnée dans ma découverte de la douance, j'ai eu envie d'en savoir plus, d'avoir un peu plus d'informations sur des côtés encore un peu plus spécifiques de la femme surdouée. Et là, je me suis encore penchée sur d'autres livres. Quatrième livre que je te recommande, c'est « Femmes atypiques » de Élodie Crépel. Ce livre a été spécialement conçu pour les femmes atypiques au potentiel hypersensibilité, TDAH, 10, etc. au travail. Et il est spécialement aussi conçu pour les femmes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles dans le monde du travail. Et la spécificité le plus que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'Élodie décrit 8 grands profils de femmes atypiques qu'on peut toutes avoir à un moment donné dans notre vie et qu'elle a créé un petit questionnaire au début pour savoir quel profil de femme atypique on est. Et suite aussi à une demande de ses lectrices, elle a sorti après un autre livre qui s'appelle « Femmes au multipotentiel ». Et je te lis un petit peu le pitch. « J'ai 3 cœurs pour aimer passionnément. J'ai 9 cerveaux à nourrir intellectuellement. J'ai 8 bras tant je fais de choses à la fois. Je suis une femme pieuvre. Et vous ?» Et en fait, c'est vraiment un livre qui va t'aider à révéler tes potentiels émotionnels, intellectuels et sensibles. Élodie, qui m'a fait le plaisir aussi de faire une interview sur ma chaîne que tu peux retrouver, ainsi que mon amie Fanny Marais qui a écrit le livre « Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible, n'ayez pas peur d'être hors la norme ». Alors en fait, ce livre, c'est vraiment la célébration de la femme atypique, indépendante, engagée, qui assume ses choix de vie en toute liberté. C'est vraiment pour les femmes qui ne se reconnaissent pas en fait dans la norme sociale et qui ont décidé de faire des choix atypiques hors la norme, donc en termes de relations amoureuses, de maternité et d'engagement personnel. Le 6e livre que je peux te recommander, c'est le livre de Nadine Kirchgesner, « Des femmes surdouées », qui comporte notamment un recueil de témoignages de femmes surdouées en toute humilité. Voilà, ce sont des témoignages positifs aussi qui sortent un petit peu des préjugés qu'on peut avoir sur la douance féminine. Et je pense qu'avec ces témoignages, tu te sentiras moins seule. Nadine, c'est vraiment l'auteur et la créatrice du site planetesurdouées.fr. Alors maintenant, on va avoir 3 livres pour creuser le sujet de la douance dans 3 directions différentes. Le premier que j'adore, pour moi, c'est vraiment... un niveau anthropologique et philosophique essentiel comme livre, c'est le livre de Carlos Tinoco qu'il a aussi coécrit avec Sandrine Gianola, sa femme, et Philippe Blasco, pardon. C'est « Les surdoués et les autres, penser l'écart ». C'est un essai réflexif sur les surdoués et l'écart qu'ils peuvent ressentir avec les autres. Il y a notamment justement des passages sur la douance féminine écrits par sa femme. Et je sais que Carlos est aussi en cours de rédaction d'un livre dédié aux femmes surdouées. Donc, stay tuned. En attendant, tu peux nous retrouver tous les deux dans un échange de plus de 3 heures sur la mise en récit des femmes et l'évolution de la condition féminine. C'est passionnant. Maintenant, si tu veux avoir un panorama complet des aspects scientifiques, cliniques, éducatif et professionnel dans la prise en charge
de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte au potentiel intellectuel, je te recommande la Bible, c'est-à-dire ce livre qui s'appelle « Psychologie du haut potentiel » où il y a plein d'intervenants, notamment sous la direction de Nathalie Clobert et Nicolas Gauvry. Et enfin, last but not least, je te recommande évidemment ce livre qui a été écrit par Patricia Lamar et qui parle de la théorie de la désintégration positive de Dabrowski. Patricia, j'aurai la chance de l'interviewer, j'espère, cet été. Et ce livre, c'est un autre regard sur la surdouance, la santé mentale et les crises existentielles. Et Dabrowski, c'était un psychiatre et il avait vraiment une vision spécifique de la santé mentale, un petit peu en contraste à l'époque avec les autres psychiatres. Et vraiment, ce bouquin, c'est une perle pour comprendre les différentes phases d'épanouissement du haut potentiel vers l'idéal du moi. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive, il y a plein d'autres livres. Le meilleur, c'est peut-être encore celui qui est à venir. J'espère que cette revue de mes lus de cœur vous a plu et vous incitera à aller lire tous ces livres que je recommande énormément. Je vous dis à bientôt les héroïnes, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un like, partagez cette vidéo avec des personnes qui sont sur leur chemin de connaissance d'elles-mêmes et de leur douance. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.